José Garcia était invité dans l'émission Kick présentée par Mouloud Achour sur Canal+ ce jeudi 11 avril. L'acteur a révélé le nombre impressionnant de kilos qu'il a pris sur le tournage de La Vérité si je mens, et comment il a réussi à perdre du poids. José Garcia a fait ses débuts sur le petit écran dans l'émission Nulle part ailleurs animée par Antoine Decaune dans les années 90. Quelques années plus tard, en 1997, le rôle de Serge Benhamou dans La Vérité si je mens, lui permet de faire ses preuves sur grand écran. Un personnage qui lui colle à la peau encore aujourd'hui après avoir participé aux trois volets de la Comédie française. Mais avec ce film qui a changé sa vie, José Garcia n'a pas réussi à échapper à la brigade du kiff. Invité dans Kick sur Canal+ ce jeudi 11 avril, l'acteur s'est confié à Mouloud Achour sur le poids qu'il a pris pendant le tournage du long métrage de Thomas Gilou. J'ai commencé en étant assez rond, sur La Vérité si je mens, j'ai pris 14 kilos de gras, a-t-il révélé avant d'avouer avoir été dérangé par ce changement d'apparence physique. Tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était handicapant pour tout, pour les rôles qu'on me donnait, pour tout ce que je faisais dans la vie d'avoir 14 kilos en plus. José Garcia se confie sur sa prise de poids sur La Vérité si je mens. José Garcia a changé son hygiène de vie pour perdre ses kilos en trop après La Vérité si je mens. J'ai commencé à faire du sport, j'ai mis 2 ans à les perdre sur un tapis, a-t-il révélé. Un déclic pour le comédien qui est super gourmand tout le temps. Avec le temps, il avoue avoir appris à gérer son poids avec des régimes particuliers, j'avais aussi des films qui me mettaient en marche. Quand j'ai fait le Mac, si y est-il des diètes comme ça. Quand j'ai fait People, pareil. J'ai appris à faire des diètes qui étaient longues pour enlever le sucre. José Garcia raconte comment le sport a changé sa vie devenue accro au sport. José Garcia, qui refuse de participer à Rendez-vous en Terre Inconnue, n'a tiré que des avantages de cette nouvelle passion. Le sport me sauvait aussi de mes addictions qui pouvaient être de boire des coups parce que j'adore faire la fête, j'adore rire avec les gens, a-t-il admis. Désormais, l'acteur a une hygiène de vie irréprochable mais pas sans rien, si est-il un travail permanent, si est-il faire beaucoup de sport, 1 heure de sport par jour. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.